Salut à tous et bien sur Magic faire Comment ça va Ça va très très bien et toi Ça va très très bien. Et, le et là, Franck. les gens sont en folie. Se disent quoi si deck budget C'est énorme. Ouais et oui, si vous êtes le chanteur de Disturbed ou tout autre individu euh, doté de paroles, euh, vous pouvez faire ce cri euh, devant cette annonce de 6 deck budget. Mais vous ne réussirez peut-être pas. Mais vous ne réussirez peut-être pas. Euh, si vous ne voyez pas de quoi je parle, euh, et bah, euh, allez voir un clip de Disturbed sur YouTube bah, vous et, vous et vous allez comprendre tout de suite. C'est très drôle. Euh, vidéo euh, exceptionnelle euh, tant attendu comme à chaque extension comme à chaque vidéo finalement si des budget attention vous le dit tout de suite euh, avant que vous ayez la clic que vous regardiez ils sont pas tous au même niveau exactement il y en a deux notamment qui sont bien meilleurs euh, que les autres mais euh, on change un petit peu la formule on vous présente euh, du coup des decks budgets euh, variés avec plusieurs stratégies plus ou moins dur à jouer euh, qui peuvent être modifiés plus tard en deck 1 euh, entre guillemets ouais. et d'autres euh, pas forcément euh, de, de façon de les améliorer ou en tout cas pas très compétitive si vous les améliorez en deck non budget euh, dans cette euh, dans cette vidéo là et dans la description on ne peut pas mettre toutes les deck lists donc on met des liens euh, magicville mais Exactement. vous cliquez et ensuite il y a export vers arena sur magicville et ça donc vous permettra euh... d'exporter toutes les toutes les decklists voilà. On précise quand même que dans la totalité des decks, on ne vous fera pas crafter de cartes totalement inutiles. Ça, c'est quand même la, la barrière principale le fait que les nouveaux qui arrivent sur le jeu ne dépensent pas leurs wildcards dans des mauvaises listes. Il y aura des listes, évidemment, qui ont vocation à devenir des decks de standard tier 1 et d'autres qui ont vocation à rester des decklists plus ou moins fun. Mais en tout cas, les rares qui vous seront proposés dans ces decklists-là seront toujours recyclables dans des decks. Un petit peu plus fort. Ça, c'est vraiment le, le minimum euh, que qu'on va vous proposer. Exact. Six decks listes, deux qui sont très puissantes, une que je trouve plutôt pas mal juste derrière, ouais. et trois autres qui sont des alternatives très budget, mmh. mais qui seront toujours très performantes en début du ladder. Exact. Dans tous les cas, peu importe la decks que vous allez choisir là parmi tout ça, ou les decks listes que vous allez choisir, euh, quand vous commencez le jeu, que vous êtes sur le ladder euh, bronze ou en événement contre des gens du coup qui font comme vous, qui commencent, euh, vous allez les roser. Oui. Vraiment, vous allez rosser fort. Et pour ceux qui ont créé les decks budget de la vidéo précédente il y a peu de temps, bah, il y en a un que vous allez retrouver ici et euh, l'autre qui est euh, tout de même viable, le mono blanc. Euh, ouais. Si vous l'avez créé, vous pouvez continuer de jouer avec. Etc. Même un deuxième, hein, il y avait déjà Dragon Budget. Euh, et oui, il y avait aussi Dragon Budget, donc c'est vrai qu'il y a deux decks qu'on va retrouver ici. Euh, et dernière chose, du coup, euh, pouce bleu, anticipation de confiance. Ça fait plaisir. Merci beaucoup aux sponsors Playing by Magic Bazaar. Code ValleyPL 2022 sur leur boutique. 50% de points de fidélité supplémentaires. Et ça nous soutient, donc ça régale. Et merci aussi à Instant Gaming. Code euh, lien d'affilée dans la description. Si vous passez par ce lien pour acheter vos jeux euh, moins chers sur leur site, du coup, ça nous soutient également. Merci beaucoup. Merci beaucoup et pensez aussi à partager ce type de vidéo parce que ça c'est autant oui, le, pouce donnez bleu, la vidéo. Euh, le pouce bleu, le commentaire ça nous aide pour le référencement Mais là c'est ce genre de vidéo qu'on fait pour la communauté, pour ceux qui débutent, pour ceux qui cherchent à se mettre à Magic Arena Pour que la communauté grossisse et que bah, plus on est de fous plus on rit Donc vous ce que vous pouvez faire à votre échelle pour nous soutenir c'est vraiment euh, si jamais vous rencontrez des gens Ou alors que vous avez dans votre entourage des gens qui veulent commencer Magic Arena C'est cette vidéo là qu'il faut leur montrer et c'est ces vidéos là au global, qui sortiront à chaque sortie d'extension, qu'il faut partager euh, le plus possible. On est parti directement. On est parti. Dragon budget. Euh, on commence par Let's le meilleur. Go. Allez, le meilleur. The best but, but not the list, comme on dit. Pas du tout. Personne ne dit ça. Dragon budget. Est-ce qu'il y a des modifications déjà par rapport à la version d'avant Oui, il y en a parce que le tour supplémentaire a été banni. Donc, on revient sur une version beaucoup plus dragonesque. Donc, c'est un deck contrôle qui veut tuer avec le. Dragon Dorpon et l'œuf fumant, l'œuf fumant qui a vocation à devenir aussi un dragon. Si vous jouez des sorts, plus vous jouez des sorts, plus il risque de se flipper. Le Dragon Dorpon lui il va permettre de tuer l'adversaire en attaquant et en plus en générant des trésors pour pouvoir du coup bah, interagir avec votre adversaire. Tout le reste, c'est une shell, donc une coquille, une base de deck très contrôle avec des anti-bêtes, des contresorts, des piocheurs, des petites interactions pas très chères et euh, le méga piocheur qui est l'aubaine inattendue. Très classique, très simple. Ça va vous demander quand même un petit peu d'expérience pour maîtriser correctement ce deck-là sur les premières parties. Mais globalement, si vous débutez le jeu avec un deck comme ça, ça va avoir un bon winrate. Ouais, euh, win. vraiment euh, très bonne decklist. Euh, du coup, on vous présente des decklists pour le BO1, euh, donc avec euh, pas de side ou alors des cartes en side si on en a besoin pour, euh, pour le main deck, vous verrez après. Euh, mais si jamais vous voulez partir en BO3, il faudra crafter un side. Mais quand vous commencez, quand vous êtes budget, oui. le BO1 c'est quand même le plus accessible, c'est plus fun, c'est plus rapide. Let's go. Euh, petite pression sur cette décliste très rapidement. Euh, donc les deux manas, comme disait Val du dragon d'Orpon, qu'on va créer en attaquant, puisque le trésor faire deux manas, c'est très important pour du coup avoir des négations, des feux du dragon. Euh, des jetés vus potentiellement aussi euh, qu'on peut caster euh, et protéger notre dragon ou enlever euh, des menaces en face champ de ruines c'est un terrain qui fait euh, du mana incolore mais qui est important pour casser les terrains de vos adversaires qui peuvent devenir des créatures c'est ça la, la cible préférentielle Itération expressive, ça coûte 2 mana, mais évitez de la jouer au tour 2 un maximum, puisque le but c'est de la jouer au tour 3 avant de jouer votre land. Donc vous êtes tour 3, vous n'avez pas encore joué votre troisième land, vous faites itération expressive, vous mettez une carte forte en main comme le dragon d'Orpon, une carte quelconque dans votre bibliothèque, et la troisième que vous exilez, vous exilez un land. Et en exilant un land, vous pouvez le jouer. Et c'est comme ça qu'on tire un maximum de value de cette carte, c'est en piochant entre guillemets deux cartes. Euh, avec cet effet là et vous pouvez exiler danger de champ d'épique et perturbation de jouerie puisque vous pouvez les jouer en lande, même depuis l'exil. Exactement. Je précise ça parce que c'est pas du tout instinctif pour les débutants. Euh, tout très, à fait. Très, très important. Au bien inattendu attendu, n'ayez pas peur de défausser des cartes avec, même si c'est une carte qui peut être bien machin. Si vous avez besoin de cartes en main, ça dégage juste éviter de défausser Dragon d'Orpon. mais à part ça, tout le reste vraiment ça peut dégager. Euh, N'ayez pas peur non plus de jouer ça ou ça en terrain en début de partie. Même si dans jeu de Champ d'épique, vous savez que ça va tuer une créature en face qui, parce qu'il joue mono blanc. Vous avez d'autres, c'est pas grave. Vous avez d'autres anti-bêtes. Ça, faut pas non plus avoir peur de jouer en early game pour Bounce, euh, pour gagner de la tempo et pour euh, donc s'est envoyé dans la main et euh, pour euh, du coup faire un petit regard 1 puisque en early euh, le, re le regard 1 est beaucoup plus facile à, à activer alors qu'en late game c'est plus dur. Euh, et voilà, ouais. euh, ah, ça c'est ah, un peu un, un speed, speed deck tech, euh, speed tips de le, la decklist. A noter que ces listes-là ont vocation à devenir des listes compétitives en rajoutant des rares et une bonne mana base. Euh, on ne va pas vous présenter cette decklist-là dans cette vidéo-là, mais si jamais vous allez sur des sites comme MTG Top 8 ou alors Magicville, qui est le site euh, sur lequel je mettrai mmh. les decklists, vous allez dans la petite rubrique liste top 8 et vous avez des versions upgrade de ces decks-là. Ouais. Donc dès que vous avez des cartes qui peuvent upgrade, euh, vous les rajoutez naturellement ouais. et vous avez les listes euh, sur le site. Prenez des versions récentes, attention, qui datent du coup de la sortie de Kamigawa parce que sure. si vous prenez des listes avant, vous risquez d'avoir des cartes qui sont bannies, qui étaient jouées dans ce deck-là avant, bah, dans le deck budget notamment qu'on présentait et qui euh, bah, ne sont plus légales, donc voilà, juste faites attention à ça. Mais en soi, si jamais vous aimez cette decklist-là et que vous rossez, le meilleur upgrade que vous faites, c'est les landes. Ouais, Parce que la main à base, elle est un petit peu... Euh, elle est un euh, petit peu quackesse. Euh, un, un peu quackesse, voilà, même si ça va marcher, mais il y a des fois vous allez avoir un petit quack, euh, vous n'allez pas pouvoir caster euh, certains spells ou quoi. Alors, du coup, c'est vraiment la mana base que vous allez améliorer en priorité avec Et puis, des terrains. jamais rares. perdu les, les terrains. C'est ça. Donc, voilà, on a fait un gros euh, focus sur ce deck-là parce que c'est le meilleur à notre sens. Mmh. Euh, maintenant, on va passer sur le deuxième meilleur. Yep, Mono black Budget, je ne me trompe pas. Ah, bah non. Ouais. C'est-à-dire, c'était eh les ninjas. Et eh non, <laughs> non, non. Monoblack Budget, euh, qui est un deck pareil qu'on vous avait déjà présenté on a fait une nouvelle mouture. Extrêmement puissant pour débuter sur le ladder parce que ben, les joueurs qui jouent en BO1 et qui débutent ont tendance à jouer des jeux agressifs, mono red, des mono blanc, des créatures. Ça dégage. Ce deck-là, il détruit mm. tous les jeux créatures. Il va avoir une faiblesse contre le IZ Dragon qu'on vous a présenté juste avant. Par contre, contre tous les autres decks, c'est vraiment the best. Mm. Et en plus, lui, il est un peu plus facile à prendre en main. Ça va vous permettre de vite monter sur le ladder pour farmer des cartes. Et en plus, il n'y a pas besoin de beaucoup l'améliorer à la différence de l'IZ. Ouais. Euh, la version compétitive, entre guillemets, c'est une version hors off, donc noir et blanc, euh, qu'on a présenté il n'y a pas si longtemps sur la chaîne. Si vous regardez la vidéo euh, à peu près quand la, la, la vidéo sort, donc euh, si jamais vous voulez voir la version compétitive, vous pouvez. Ça Bien coûte sûr. pas mal plus cher en wildcard, donc oui. on ne recommande pas tout de suite. Ça, c'est largement suffisant. Ne vous dites pas que vous jouez une version amputée ou quoi, c'est vraiment très très bon. But du deck, euh, Space Mule, Blame Titubante, c'est des créatures qu'on va jouer en early pour bloquer les créatures d'adversaire qui ont des effets au moment où elles meurent. Donc c'est vraiment faut bloquer l'adversaire avec, on s'en fout. Euh, si jamais euh, il veut pas nous donner des bêtes pour bloquer, on la dispute mortelle pour les sacrifier, qui va nous faire piocher deux cartes, créer un jeton trésor et euh, utiliser l'effet de mort quand même de nos créatures. Expert en acquisition qui est là pour enlever des petites cartes dans la main de l'adversaire. On peut aussi sacrifier si on a besoin plus le tard. Fait. Une fois que ça fait, une fois son, que effet. Ça fait son effet, ça revient avec du sang sur la neige plus tard. En fait. Exactement, du sang sur la neige qui est la carte clé euh, du deck. On joue des en enneigées Alors ça c'est un skin si vous l'avez pas. Euh, je ai juste un marée neige. Voilà, ça, ça change rien. Mais faut il faut qu'il soit vraiment enneigé euh, Du sang sur la neige du coup qui va détruire toutes les créatures ou tous les coeur puis qui va réanimer euh, quelque chose de notre cimetière créature planeswalker qui coûte X X étant le nombre de manas neige euh, utilisés pendant cette sorte. Donc si vous avez utilisé un maximum de marée neigeux et pas beaucoup les champs de ruines ou les trésors, bah souvent vous allez avoir 5 ou 6 mana neigeux. Et qu'est-ce qu'on veut réanimer L'alt. Lolt. Quasiment tout le temps, on veut réanimer l'olt, euh, qui va du coup créer des jetons araignées, de menace portée. C'est très méchant et ça en crée deux. Ça bloque va, très bien. Euh, ça va très bien bloquer, notamment les dragons d'orpon qu'on a vu dans le deck juste avant. Euh, ça va piocher des cartes euh, tous les tours si jamais on ne peut pas faire les araignées. Et le moins 8, qui est un peu anecdotique, mais qui peut euh, tuer l'adversaire très rapidement. C'est euh, assez fort. Euh, Au-delà de ça, on a des antibêtes avec comprise infernale, soif de la chef de sang qui vont gérer tout ce qui est euh, gérable. Marchande de porc-crâne et piqueur sénis qui sont des moteurs de sacrifice supplémentaires. Euh, L'un qui fait piocher des cartes et qu'on ouais. peut faire plusieurs fois et qui fait un jeton trésor en arrivant, et l'autre qui ne me fait qu'une seule fois mais qui fait piocher de deux cartes, qui est contact mortel et qui peut faire piocher l'adversaire pour le tuer. Vous pouvez faire piocher l'adversaire lui si faire perdre point deux points de vie. C'est quelque chose qui arrive pas si rarement. Euh, ah, dans ce deck. Et la petite interaction euh, pour euh, donner un petit type supplémentaire que les gens ne connaissent pas, notamment quand vous commencez, c'est que quand vous bloquez une créature, euh, donc on vous attaque avec une 2-2 ou bloqué avec blême Titubante, vous pouvez, si vous voulez, euh, utiliser une dispute mortelle avant les dégâts. Et la créature que vous avez déclarée comme étant bloquée est quand même bloquée. Vous n'allez ouais. pas prendre les dégâts, même si vous sacrifiez votre créature avant les dégâts. Et du coup, ça vous permet de d'économiser des points de dégâts, enfin des points de vie du coup, d'éponger, ouais. euh, et quand même d'utiliser ce sort-là pour son effet. Ouais. Donc ça, c'est un trick que les gens ne connaissent pas forcément, et c'est vrai qu'on l'avait pas dit la dernière fois, et, euh, et ça aide ça beaucoup peut aider, ouais. à, à maîtriser Ça tête. marche très bien aussi avec Marchande de porc crâne. en gros, dès qu'une créature aussi, attaque, vous, vous pouvez, vous pouvez sacrifice, bloquer en fait. avec n'importe quelle créature, la sacrifier, et la créature en face est quand même bloquée. Petit tips de séquençage, les gens ne euh, voyaient pas forcément ça au début, Blame-Titubant de tour 1, Dispute Mortel tour 2, vous générez un trésor avec la blême titubante, vous générez un trésor avec la dispute mortelle, ça fait LOL tour 3. LOL tour 3, c'est souvent gagné. Et LOL tour 3 contre un deck créature, c'est win instant. Et c'est ouais. pas grave de perdre LOL d'ailleurs, euh, parce que du coup, elle va arriver avec un marqueur loyauté parce que justement, on veut du sang sur la neige pour la réanimer ça. tout en dégageant tout le board et recréer des araignées. Donc, Donc ça, euh, ça marche très, très bien. Voilà, si vous êtes un peu à égalité, genre euh, vous avez pas mal de créatures, l'autre en face aussi, euh, c'est quand même bien de faire ça si vous avez une LOLT au cimetière. Parce que du coup, vous dégagez toutes les créatures et vous, vous repartez avec un Planeswalker et deux créatures. Et deux autres créatures. Donc en fait, même si vous étiez à l'équilibre, vous ne vous... savez pas ce que votre adversaire va faire. Vous euh, prenez l'avantage. Seul cas où vous n'avez pas envie de faire ça, c'est quand vous avez plein de cartes en main, l'adversaire n'en a plus. Donc même si vous êtes à l'équilibre sur le champ de bataille. Du sang sur la neige, vous pouvez le garder, parce que du coup, avec toutes les cartes que vous avez en main, vous allez pouvoir reprendre l'avantage ouais. naturellement. Les premières cartes que vous devez crafter si vous voulez améliorer ce deck là, la première si jamais vous l'avez dans votre collection, c'est Massacre au Croc de Boucher. Mm. Voilà, ça vient naturellement compléter la base très défensive de ce deck là. Si vous en avez, les craftez pas au début, ce n'est pas important. Si vous en avez, vous pouvez les mettre dans le deck, vous pouvez en mettre jusqu'à 3. Ça marchera très très bien à la place de oui. un anti-bête, que ce soit l'emprise infernale, la soif de la chef de sang, ou alors... D'un tour 3, vous pouvez jouer que trois piqueurs, trois marchands. Si vous avez des massacres, jouez-les. Oui. Au niveau des leçons, les leçons rares ne sont pas du tout obligatoires. Je pense à affronter le passé et sortie des mascottes. Si vous avez pas, c'est pas grave. Vous mm. jouez notamment la science environnementale et la fumée nécrotique. Ça fera largement le taf. Cela dit, si vous avez une sortie des mascottes, mm. n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais me permettre. Oui, tu peux doubler. Hop, voilà, je voilà. double euh, parce que vous avez droit jusqu'à 7. Donc tant qu'à faire, si ça. vous voulez en mettre d'autres, vous pouvez aussi. Euh, notamment bah, celle qui fait 2-1-1. Ah oui, important, parce que les gens ne savent pas forcément. Mais dans ce deck-là, il faut mettre ça en, en side invocation nuisible. Tu peux la mettre à la place d'une sortie. Une sortie, exemple. voilà. Ouais. C'est ça. Et à la place d'une science, on met une invocation comme ça. Voilà. Euh... Et ça, bon du coup, sont des leçons que vous allez chercher avec le Space -mai. Quand le Space meurt, ça vous permet d'aller chercher une leçon dans votre side. Donc bah, vous, en avez... vous en avez 7. Vous pouvez en chercher quatre par partie maximum. Mais c'est assez important de les avoir, même si vous n'avez pas la sortie des mascottes. Voilà pour les deux euh, meilleurs decks budget, ouais. euh, qui sont du coup à peu près les mêmes meilleurs decks que la dernière fois. Ouais. Maintenant, on va passer à d'autres euh, decklists. On va ouais. commencer par Celestia Aura. Il y en a un qui leur colle un peu au train, pas parce qu'il a vocation à devenir un énorme deck tier il sera quand même toujours plus obscur et moins joué que les decks mono-noirs ou le deck izet mm. Par contre, sur le ladder, quand les gens commencent, et encore une fois, qui joue des jeux créatures agressifs, qui est le plus simple à prendre en main pour un joueur de Magic, et eh ben ce deck là, il va vous donner un win rate faramineux, c'est-à-dire ouais. que euh, le nombre de games que vous allez gagner en commençant euh, sur le ladder de Magic Arena avec ce deck, je pense que c'est totalement fou. C'est un deck euh, enchantement qui a un sous-type avec les runes, les runes de subsistance qui se base sur une interaction entre le naturaliste de Jukai et le champion de Forgerune. Le champion de Forgerune, il dit que vous pouvez payer vos runes pour un mana incolore. N'importe laquelle de vos runes. Et en plus, il va en chercher une dans votre deck quand il arrive en jeu ou dans votre cimetière. Le naturaliste de Jukai, il dit que les sorts d'enchantement que vous lancez coûtent un de moins à lancer. Donc on a transformé le coup de mana avec la ch le champion en euh, un mana incolore. Et en fait, on enlève un mana incolore pour pouvoir lancer les runes avec cette carte-là. Donc, quand vous avez les deux sur le champ de bataille, et ben vos runes coûtent 0. Et ça, c'est vraiment très puissant. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. Ça vous permet, dans le même tour, de jouer plusieurs cartes qui vont donner des capacités à ouais. vos créatures, ou le et lien du jeu, en plus ou plus un plus un piétinement, et surtout piocher. Ça va permettre, ben, si vous avez un visiteur généreux sur le board, de mettre des marqueurs plus un. Euh, plus un sur vos euh, créatures ça permet typiquement aussi euh, de faire grossir par exemple un petit compagnon fougueux qui, euh, qui est juste là sur le bord et qui lui a servi à nous faire piocher une carte et donc le but c'est d'essayer d'assembler des créatures qui sont très grosses mmh. et à qui on va donner le lien de vie avec la rune de subsistance pour juste tuer l'adversaire comment on fait pour que les créatures deviennent énormes et bien une fois qu'on a joué pas mal de runes qu'on a pas mal d'enchantements sur le, sur le champ de bataille on va jouer le règne de la vérité de michiko et son effet c'est que pour le premier effet de la saga et le deuxième effet de la saga, une créature ciblée va gagner plus 1, plus 1 euh, pour chaque artefact ou enchantement que vous contrôlez. Et Il suffit que vous ayez un naturaliste, 3-4 une sur le board et une de vos créatures va gagner plus 4, plus 4, plus 5, plus 5 et ce deux fois pendant deux tours. Mmh. Il suffit que cette créature-là ait le piétinement et ça va assez aisément tuer votre adversaire. Yep, C'est le but de ce deck-là. Et on a des petits anti-bêtes du coup avec euh, piège à chandelle, euh, cercle de confinement et sursis. D'ailleurs, euh, me vient une idée peut-être pour améliorer le deck je, je vais vérifier si je ne dis pas de bêtises. Mais je crois qu'en blanc à 3, il y a un nouvel enchantement euh, blanc qui est euh, meilleur que sursis. Meilleur que sursis euh, Il me semble. Attends, je vais juste le trouver. C'est dans Kamigawa. Ok. J'y ai pensé là euh, pendant la, la deck tech. Ça. Euh... Ah non, ça ne gère pas tout. Pardon. Parce qu'en fait, on pouvait le déposer okay. pour euh, blinker. Et ça marchait très bien avec le champion pour aller chercher ouais, une ouais. rune. Ou avec le compagnon pour piocher une carte, mais ça ne gère que créature ou artefact. Ouais, ouais. Donc c'est moins bien. Non non, on va, on va rester euh, sur ce qui permet de gérer bien, ouais. euh, les lolts de notre adversaire typiquement. Mmh. Euh, L'avantage, c'est que ce deck là, vous êtes capable de recréer très facilement des créatures très imposantes, donc contre les jeux qui essaieraient de vous contrôler, c'est un deck qui a de la ressource et au-delà de ça, contre un deck euh, mono-noir qui va jouer l'old comme le deck mmh. qu'on vous a présenté avant, et eh ben en fait, il a beau avoir euh, des araignées sur le bord et des petites créatures pour vous bloquer, le fait de donner piétinement avec, à votre Megazord, et eh ben en fait, vous en fichez du nombre de bloqueurs de votre adversaire. Donc vraiment très très bonne decklist ça pour commencer. Ça c'est bon ça, ça c'est très, bon. très bon. Zou, euh, ensuite Dimir Tempo Budget Zou. Yes, pour les plus curieux, pour le coup. Il y a 64 cartes. Très important, je commence par ça dans la décliste. Euh, ne jouez pas 64 cartes. C'est juste qu'on hésitait à vous présenter une decklist qui est totalement budget, avec aucune rare et aucune mythique. Et en même temps, vu qu'il n'y avait aucune rare, aucune mythique, c'est gratuit d'en rajouter un petit peu. Du coup, on a hésité. C'est pour ça qu'il y a 64 cartes. Quand vous importez cette décliste-là, faites un choix. Faites un, un choix entre les deux. Soit vous jouez 4 Kaito Shizuki qui sont du coup des mythiques, mais qui sont d'excellentes cartes. Soit vous craftez ça en mode ultra budget, avec 4 spécialistes en collet lunaire. Euh, mon conseil, c'est de crafter la déclisse sans les kaito. Ouais. Et euh, si la déclisse, quand vous la jouez, elle vous plaît, vous gagnez des parties, ça, ça vous plaît ce qui se passe vous rajoutez les Kaito, vous enlevez les spécialistes. Ça vous aura coûté 4 communes, c'est gratuit. Et si dans vos boosters, vous avez quelques Kaito, vous faites un split. Admettons ouais. que vous avez deux Kaito, vous jouez deux spécialistes et deux Kaito. Et voilà, Exactement. ces cartes-là sont interchangeables. Vous mmh. buildez la decklist en fonction de vos ouais. moyens. Pour le reste du deck, oula, il veut plus s'insérer. Ah bah il veut plus. C'est pas grave. Regarde. Ah. Il reste là. Il va s'insérer, ah. je te le dis. Voilà. Ah. Ah euh, pour le reste, c'est un, -ce -ce un deck tempo. Qu'est-ce que c'est un deck tempo C'est un deck qui va essayer d'imposer un rythme. Dans la partie, euh, ça passe souvent par le fait de poser des petites créatures sur le champ de bataille pour essayer de grappiller un petit peu les PV de l'adversaire. Et derrière, une fois que vous avez vos quelques créatures sur le champ de bataille, euh, vous allez empêcher votre adversaire de jouer avec ou des anti ou des boons, donc leur envoyer des cartes dans, dans sa main, ou alors des contresorts. Et le but, c'est donc petit à petit de mettre des dégâts à votre adversaire et de dire non à ce qu'il propose. C'est ça le but des decks tempo et Dimir le fait très très bien il y a une synergie ninjutsu et un sous-type gredin. Je m'explique, toutes deux vos... tribus en une. Voilà, tous vos tourains sont des gredins, mais parce que les ninjas sont un peu des gredins quelque part. Bah, mais de ouf. Donc voilà, vous avez vos tourains qui sont des gredins, vous avez le voleur des pensées aériennes qui est lui-même un gredin, mais on a le maître fourrure d'argent qui lui donne plus un plus un au ninja et au gredin. Donc on a un petit sous-type tribal ce qui permet du coup de renforcer l'agressivité du deck pour pouvoir mettre plus de dégâts à votre adversaire. Donc le but c'est d'essayer de jouer des tourains qui ont des capacités d'évasion, le vol, pour qu'ils ne soient pas bloqués. S'ils ne sont pas bloqués, et bien dans ce cas-là, on peut activer les capacités ninjutsu de nos créatures. Ça vous permet de jouer ces cartes-là de votre main pour leur coup de ninjutsu, en renvoyant une carte qui attaque et qui n'a pas été bloquée dans votre main. Ils ont des effets. Celui-là, en se défaussant d'une carte, peut détruire créature au plein de soccer. Celui-là va vous permettre de pêcher quelques petites cartes. Et puis au-delà de ça, ils vont être euh, buffés sur le board grâce au maître fourrure. Et vous avez le voleur des pensées qui lui aussi à le flash et le vol pour pouvoir essayer de rentrer des dégâts, ne pas être bloqué et euh, activer le ninjutsu de vos cartes. À côté de ça, contresort, boons, anti-bête, classique, classique ou très, classique, très classique. Euh, pas vraiment de pas facile à jouer pour les débutants. Ouais, pas facile à jouer. Euh, vraiment, il faut savoir quoi contrer, quoi laisser passer, euh, savoir que par exemple vous n'avez pas besoin de contrer puisque vous avez ça dans la main qui va engager la bête. Comme ça, ça vous fait passer une créature ou ninjutsu. C'est euh, c'est dur de gérer ses ressources parce qu'on a envie de jouer des à son tour et en même temps de jouer les trucs pendant le tour de l'adversaire, ouais. euh, donc euh, voilà. Attention, ça ça a le flash, donc jamais pendant votre tour, euh, quasiment tout le temps pendant de l'adversaire, on le joue. C'est euh, très intéressant, je pense, à jouer, mais euh, un peu complexe euh, et avec quand même un, un niveau un peu en deçà des decks qu'on vient de présenter. Les, les plus assis euh, d'entre vous Tempo. Euh, voilà, euh, ceux qui veulent euh, vraiment jouer des ninjas, bah, ça passera par là, surtout en, en version budget. Il ouais. n'y a pas vraiment de version non budget, même s'il y a des bonnes rares qu'on peut rajouter. Euh... Ça, ça commence, mais ça je passera veux... notamment par des mana base, si jamais vous voulez ouais, voilà. pas de le deck. Parce que vraiment, c'est important. Vous voyez, là, il y a deux mana bleus qui sont demandés, et là, il y a un mana bleu, un mana noir. Là aussi, euh, donc avec des landes comme ça, c'est un peu dur. Euh... D'ailleurs, je pense qu'on va, hop, comme je ça, faire comme ça, et enlever deux, enlever deux, ouais. euh, un, peu, un peu, complexe de, de jouer ce deck-là déjà pas à cause de la mana base. Donc, si jamais vraiment vous adorez ce deck-là, vous voulez l'améliorer. Acheter des, euh, des terrains, notamment euh, le... C'est le, le, le premier axe d'amélioration pour toutes les decks listes les decklists bicolores qu'on vous propose. Celui-là. Rajouter des terrains. Si vous ouais. en avez. On sait que dans certains decks préconstruits, ils en donnent. On sait qu'en ouvrant des boosters, vous allez en récupérer. Mm. Si vous en avez, vous les mettez naturellement. Ça s'applique à tous les decks. Mm. On Nous présente. on prend euh, en compte quand on crée des list mm. budget, euh, juste le budget. On voilà, prend en ça. compte ce qui est donné par le jeu, rien. Genre, euh, vous commencez, vous n'avez rien du tout sur votre compte. J'ai eu un bug, genre, il y a zéro. Ouais. Et bah ben, du coup, on prend en compte que vous n'avez rien et vous pouvez crafter ça. ça. Par contre, si vous avez des cartes qui s'insèrent naturellement, qui sont déjà dans, sur votre compte et quoi, ou que vous avez ouvert dans des boosters, let's go. Et d'ailleurs, je le rappelle, en plein milieu de cette vidéo, si jamais vous ne l'avez pas fait, vous allez sur euh, euh, Internet, vous tapez code MTGA. Euh, et vous allez trouver un site qui vous donne plein de codes gratuits à ouais. rentrer, qui vous donne plein de boosters, et ça, ça vous donne plein de jokers euh, pour créer les cartes que vous voulez. Et euh, avec tout ça, euh, parce que du coup, il y a de plus en plus de codes, maintenant, ouais. euh, quand vous ben vous sûr. y mettez, euh, il y en a un à chaque extension, et chaque extension, c'est trois boosters offerts. Donc, toutes les deux extensions, ça fait une wildcard rare, plus les six rares que vous ouvrez. Ça vous permet facilement de créer un deck budget, voire même, je pense maintenant, peut-être deux. Peut-être deux. En, en tout cas, euh, vous êtes capable de crafter plus, plus ou moins n'importe lequel de ces decks-là entre ce qui vous yep. est donné à l'arrivée et les codes boosters dont parle PL. Vous allez dans la boutique pour entrer les codes. Ouais. Boutique, il y a un petit anglais euh, en haut à droite. Un petit anglais en haut à droite, vous rentrez le code. Simplement pour Kamigawa il y a un anglais, il vous accueille, hey welcome, c'est euh, play... <laughs> Neo pour euh, le code Kamigawa pour ceux qui ne l'auraient pas rentré. Yep. Monorail budget, euh, let's go avec un petit sous-thème modifié. Petit sous-thème modifié, alors qu'est-ce que modifier Ce sont euh, des créatures qui ont un marqueur sur elles, pas forcément plus un plus un, juste un marqueur, euh, qui sont équipées ou qui ont une aura sur elles. Les auras dans ce, ce deck, ça dégage, par contre on met des marqueurs et euh, on équipe euh, et on a même des créatures qui s'équipe, euh, comme la batterie de lapin, qui, avec la reconfiguration, du coup, s'attache à une créature et la modifie. Euh, et ça, ça régale. Euh, Dis-nous qu'est-ce que ça fait qu est que, Quel est le but de ce deck Alors le but c'est d'aller le plus vite possible dans la tête de l'adversaire. Ça, c'est pour ceux qui ça sont frénétiques. Ça, c'est pour ceux ils peuvent jouer qu'aux toilettes ou dans les transports. Ouais, tu vous vois. avez 30 secondes. Vous avez Magic Arena sur le téléphone, vous n'avez pas le temps de faire un BO3 ou alors de vous poser, de faire longuement vos quêtes. Vous voulez faire ça à la pause du midi, jouer à Magic. Vous avez besoin de faire des games rapides et courtes. de budget, c'est fait pour vous. Vous allez vite atteindre ce qu'on appelle un peu le plafond de verre, c'est-à-dire bloqué. Mais en tout cas, sur le tout début du ladder, euh, les gens ne vont pas forcément respecter ces archétypes-là et vous allez monter très rapidement. Euh, en plus, ça vous fait crafter globalement des cartes qui sont plutôt intéressantes et il y a des versions beaucoup plus optimisées avec plus de rares de ce deck-là. Donc voilà, ce n'est pas, pas perdu ce que vous allez crafter. Le but, c'est d'essayer de faire tomber les points de vie de l'adversaire à zéro le plus rapidement possible. Pour ça, vous avez une batterie de créatures extrêmement véloces et surtout qui coûte très très peu batailleur euh, lame-feu euh, batterie lapin qui sont donc du coup des cartes qui coûtent très très peu en mana vous avez Kumano affronte euh, Kakazan incroyable ce, ce titre Kakazan là, qui euh, quand euh, cette saga arrive elle va mettre un dégât à votre adversaire donc participer au plan de jeu un peu face du deck ensuite elle va modifier une de vos créatures parce qu'elle va lui mettre un marqueur plus un plus un Attention, ne le faites pas avec le Ronin renforcé parce que lui, quand il revient dans votre main, il gardera pas son marqueur. Non. C'est anti-synergique, ces deux cartes-là. Mm. Euh, et euh, troisième effet de la saga, elle va se transformer en une de deux célérité qui va continuer à participer à l'agression. Le but, c'est de passer en dessous de euh, ce que fait votre adversaire, c'est-à-dire le tuer avant qu'il ait le temps de stabiliser. Donc voilà, il y a yep. une batterie de, de créatures extrêmement rapides et véloce. Vous avez le Renégat Insurrectionnaire. Lui, il est très très fort parce qu'il est 1-3 pour 2. Mais il va gagner plus 2, plus 0 pour chaque autre créature modifiée. Donc, typiquement, une créature qui aurait eu un marqueur plus 1, plus 1 avec Kumano, euh, une batterie lapin qui serait équipée, ou alors une créature qui porterait une rapière de duel, bah, permettrait d'augmenter la force du renégat insurrectionnel. Euh, moi, je l'ai vu contre moi être 7-3, ce bousin. Belle bête, hein Et c'est une belle bête quand il a 7 de patates. À côté de ça, une batterie danti celui-là est le meilleur parce qu'il va rajouter 2 dégâts dans la tête de votre adversaire. Mm. Si vous avez une créature modifiée, ce qui est facilement le cas. Ceux-là sont des anti-bêtes euh, un petit peu polyvalents. Pour les grosses bêtes, celui-ci, pour les artefacts, celui-là. Et puis ensuite, bah, les deux meilleures cartes du deck, ça vous demande de rare. Celles-là sont des top crafts qui ne sont absolument pas perdus. Le Reiju, si vous les avez, c'est bien. Ajou, ah, c'est pas est, trop. Il est vraiment très bien dans cet archétype-là, mais je ne hmm. sais pas s'il s'exporte sur les autres. Cela dit, si vous voulez jouer ce deck là, le railjou il est vraiment top dedans parce qu'il va permettre de push des dégâts dans la tête de votre adversaire en fonction du nombre de cartes modifiées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il modifie lui-même les cartes. Et eh oui. Donc c'est quand même super puissant. Et surtout une créatures célérité, mmh. euh, ce qui vous permet du coup de jouer un petit peu de manière extrêmement rapide. Parce que toutes vos créatures ont quasiment la célérité. Hein. La batterie de lapin, le ronin, la chasseuse, le Raiju. Et euh, donc voilà, le but c'est vraiment de démolir votre adversaire très rapidement. Ça va très bien marcher au début. Il yep, ne faut pas avoir peur derrière le Ronin, une fois qu'on a passé le tour 1 ou 2, euh, c'est pour 2 mana, je peux jouer une carte. Tu peux, euh, si... quand le board est bloqué. Quand le, le board est bloqué, Tant ouais. que le bord n'est pas bloqué. Si vous pouvez mettre des points, vous mettez des points avec le Ronin, tant que vous pouvez. Mais dès que voilà, euh, ça ne passe plus, ça ne sert à rien de le jouer pour 1, de ne pas attaquer ou de le donner dans non. une bête. Pour 2, vous le dégagez, ça pioche une carte, ça vous fait vous plaisir. il il le a, y a bah, Grâce à ça, grâce à ce spell qui est aussi un land... Ça vous permet de toujours avoir en fait des petits trucs à jouer. C'est rare de faire euh, trop de mana, quoi. Par contre, attention, gardez pas une main avec un seul mana, même s'il y a plein de points, euh, vous allez perdre. De mana, c'est très bien pour jouer. Deux mana, ça suffit puisque on a que trois, enfin qu'une seule carte à 3 et qu'une seule carte à 4, et vous avez le temps de piocher vos landes, donc euh, donc ça se fait. Euh, il faut ça, c'est des, euh... des sorties extrêmement euh, véhémentes avec ce deck. C'est assez simple à jouer, sans être non plus no brain. Genre, euh, il faut quand même des fois un peu réfléchir sur. Euh... Ce qu'on équipe, dans quel ordre on joue quoi, si vous avez plusieurs tours 1. Donc c'est assez intéressant, c'est assez stimulant euh, sur la réflexion, euh, sur le début de partie, notamment. Et quand vous jouez en BO1, bah, c'est ce que vous allez le plus euh, faire, le début de partie, euh, notamment avec un deck monoraid. Donc euh, c'est assez cool. Après, je pense que de tous les decks, c'est celui que je recommanderais le moins à crafter, notamment parce qu'il y a 8 rares dedans. Ouais. Et. Euh... Je, sais pas, euh... je le mets égalité avec 6 budget sur ceux que je conseillerais le moins. Ouais. <coughs> mais il y a il un propose, Il propose des alternatives euh, euh, ouais. aux quatre premiers decks budget qui sont quand même globalement c est, c est, les meilleurs. Il n'est pas nul, attention, hein, non mais non. juste euh, voilà. De une fois qu'on est sorti de ces deux-là, euh, ou même de ces trois-là, on va dire, voilà. c'est quand même moins intéressant. Mais c'est des plans de la diversité Selon plus vos envies, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des decks compétitifs, mais qui veulent jouer d'autres decks et qui ne peuvent pas crafter directement ces versions compétitives. Et oui. Et ça peut vous permettre typiquement pour jouer Dimir tempo de crafter seulement la version budget et peut-être à terme d'investir sur une version un peu plus, un peu plus puissante. Si cramp budget, Semi-cramp, un Alors, autre plan de jeu, un autre plan de jeu totalement différent pour le coup et qui ne s'améliore pas ou mal euh, en version euh, non budget, puisqu'il n'y a pas vraiment de version compétitive de ça. Par contre, pour commencer, c'est top. Et parmi tous les decks présentés, moi personnellement, je vous recommanderais celui-ci en termes de simplicité. Oui. Euh, si jamais euh, vous êtes débutant débutant, ça, c'est ultra simple à jouer. C'est, euh, je pense, fort quand vous jouez contre des gens bah, débutants également. Mmh. Si vous commencez à monter un peu le ladder, bah, par contre, ça va commencer à, à bloquer. À bloquer, là, vous avez un peu grincé des dents. Mais c'est assez simple à jouer. Quel est le but du propos On rampe, euh, on rampe, c'est-à-dire s'accélérer en mana, parce que dans Magic on ne joue qu'un terrain par tour, mais là, on va tricher. On va essayer de jouer plus de terrain par tour euh, que notre limite. On va jouer d'un florédron qui permet d'ajouter un mana vert, du coup qui euh, au tour euh, 3 euh, nous permet d'avoir 4 manas, du coup, puisqu'on aura 3 terrains plus lui. On joue des, euh, les nombreux voyages d'Azusa euh, qui nous permettent de jouer un terrain supplémentaire le tour où elle arrive. Donc ne jouez pas ça si vous n'avez pas de terrain en main. Ça sert à, pas à grand chose, quoi. On n'en joue que 2 parce que bah, quand ça arrive en late game, c'est un peu naze. Euh, mais il y a quand même euh, l'effet gagner 3 points de vie et la créature 3-3 qui arrive donc contre aggro c'est très bien. Typiquement, vous jouez contre votre collègue qui a crafté le mono rouge, vous, il prend ça à tour 2, euh, je vais être vulgaire, il a envie de chier. Vraiment, ouais. il n'est il pas, pas content du tout. Euh, sortie scolaire qui permet d'aller chercher une carte de terrain de, de forêt de base, de la mettre en jeu, donc encore une fois, on triche sur les terrains et euh, on apprend. Donc en plus d'aller chercher un terrain, on va chercher une carte active à jouer. Ce qui est un petit peu dommage, euh, c'est qu'on n'a qu'une seule carte à 5 à aller chercher. Alors que quand vous jouez ça tour 3, au tour 4, quand vous allez jouer votre terrain, vous avez 5 mana. Bah vous avez que ça à aller chercher pour le jouer dans la curve. Mais c'est pas grave. Vous pouvez juste aller chercher encore un spell qui va chercher ouais. des terrains, etc. Euh, cherchez pas forcément à curver derrière la sortie scolaire. C'est pas, pas trop le but. Quoi. En tour 4, on a extrait de l'éclair de lucidité pardon, pour 4 manas. On pioche de cartes, puis on peut mettre un terrain en jeu de notre main qui ne compte pas pour le terrain de votre tour. Et cultivateur de Quandrix. Pour 4 mana, on a une 3-4 qui va chercher un terrain pour une de base et qui le met en jeu. Excellent. Et pourquoi on veut euh, accumuler des terrains de lait pour jouer pour des portes Pour jouer nos pâtés. Voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est que ce sont des pâtés élégants. Parce qu'ils ont des pâtés aussi élégants. D'autres propriétés. Lui, non, lui, il est, pas, lui, il est il là est vraiment. Pour, il est là pour rendre le deck viable. On va pas se mentir. C'est ça. Tortue Céleste Colossal. Pour 7 mana, on a une, une 6-5 vol parade 2. Donc parade 2 qui est chiante à gérer pour votre adversaire. Il y a deux effets transfert, donc les effets transfert, vous pouvez payer le coût de transfert et la défausser de votre main pour faire son effet. Et elle en a deux. Pour trois manas, vous la défaussez, vous renvoyez une carte ciblée depuis le cimetière dans votre main. Donc typiquement bah, un autre pâté qui s'est fait gérer, ou un sort de rampe si jamais vous en avez besoin en early. Ou alors transfert pour deux manas dont un bleu, vous la défaussez, vous renvoyez une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Vous pouvez sauver vos cartes comme ça. Euh, ouais. Ou alors reprendre pour refaire son effet. Ou gagner, euh, ou gagner du temps. Vous vous renvoyez une créature dans la main de, son de votre adversaire, donc finalement vous ne faites pas que ramper au début de la partie. Vous avez aussi Tortue Céleste qui vous permet de gérer un petit ça. peu. C'est pour ça que virtuellement dans votre mana curve, donc la courbe de mana de votre deck, en fait c'est plus un tour 2. Cette Tortue Céleste, ça permet mmh. de gagner du temps et les multiples que vous allez piocher en late game deviendront des kills, des ports, des cartes que votre adversaire ne mmh. surmontera pas. Et c'est pareil pour notre ami le Grand Anouki. En fait c'est un drop 3 mmh. ce qui fait que du coup ce deck là et eh ben, Il a une jolie courbe de mana. Ça marche Une espèce bien. de belle piste de ski comme ça. Ouais, on a une 6-5 pétinement pour 6. Donc, déjà, ça tue aussi très vite l'adversaire, potentiellement, en suivant ce qu'il a sur le board. Et euh, il a le transfert pour 3 manas on le défausse. On va chercher dans une bibliothèque une carte de terrain de base on la met en jeu, puis on mélange. Ça rappelle plein d'effets qu'il y a dans le deck déjà. C'est un effet supplémentaire, mais qui peut être un kill. Et euh, en plus, il faut savoir que la capacité de transfert, enfin, les capacités de transfert ne sont pas soumises euh, à la règle du rituel. Euh, genre, vous le jouez quand vous voulez. C'est euh, 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 comme c'était des éphémères. Ouais. Donc vous pouvez renvoyer en main pendant ton adversaire, on pouvez aller chercher un terrain pendant ton adversaire. C'est un renfort, Ce qui est très très bien. Et euh, le, le dernière boss. carte, le Big Boss, invocateur de Cyclone, pour 7 mana, 7-7. Quand il arrive sur le champ de bataille, si on l'a lancé depuis notre main, ce qui sera toujours le cas dans notre deck, on, le, on renvoie tous les permanents dans les mains de leur propriétaires, excepté les géants, les sorciers et les terrains. Lui-même est sorcier évidemment et géant, donc il ne se renvoie pas en main. Et euh, vous, vous allez reprendre bah, peu de choses. Vous allez reprendre un Florédron. Euh, un cultivateur de Condric potentiellement. Ouais. Par contre, l'adversaire, il reprend tout. C'est ça. Il prend tout dans sa main, ça dégage et vous avez une 7-7. Donc en fait, c'est euh, vers ça qu'on veut, c'est la cible préférentielle ben quand oui. on rampe. Parce que quand l'adversaire il va jouer plein de bêtes, etc., qui commencent à vous déborder, bim, grosse 7-7, tu reprends tout en main, ça dégage. Le but, c'est que tous les tours que vous avez pris pour accélérer votre mana, vous, pendant ce temps-là, votre adversaire, il va jouer des cartes. Et en fait, ça veut dire qu'il va prendre le board. Et il faut essayer de rattraper ce retard que vous aurez pris sur le board mm. et en fait du coup tout, tout le temps que vous avez investi à, à, à aller chercher du mana euh, vous allez rattraper un petit peu le temps perdu avec cet invocateur de cyclone parce que vous avez été chercher plein de mana votre adversaire lui il a développé son jeu il a mis plein de créatures cette mana invocateur de cyclone tu reprends tout tes jouets moi j'ai tous mes mana, mm. j'ai mon 7-7 et maintenant tu es dans la merde on va commencer à jouer exactement euh, dans le side, donc beaucoup de, de leçons forcément. Si vous avez deux sorties des mascottes, euh, c'est pas déconnant d'en mettre deux, deux. Surtout dans ce euh, Surtout dans ce et d'en virer. Même si vous en avez trois, c'est pas grave parce que vous allez pouvoir aller les chercher, les caster très facilement. Et il y a une dernière leçon que j'ai pas mise, c'est la leçon bleue pardon. Euh... Ah ouais, si, si vous l'avez. La si ah vous oui. La leçon rare si vous l'avez, effectivement. Euh, alors attention, il faudra en que une euh, potentiellement voilà. Enseignement euh, des archaïques euh, qui permet de piocher des cartes. Et vu qu'on va jouer un land, euh, un spell, un land, un spell, bah très vite vous avez moins de cartes que l'adversaire souvent, sauf s'il joue très aggro. Ça permet de pêcher deux, voire trois ça. cartes. C'est très très bien. Et donc si vous en avez deux, n'hésitez pas. Exactement. Dernière carte qu'on n'a euh, pas mentionnée, je l'ai gardée pour la fin. Denis décisif pour deux mana, euh, dont un vert et un bleu, donc cimique en éphémère. Ça a deux effets très importants dans le deck. Soit on va euh, faire qu'une créature qu'on contrôle se bat contre une créature qu'on ne contrôle pas. Donc ça fait un anti-bête. Et vous voyez la puissance de nos créatures. Euh, bah, ça va tuer toutes les bêtes en face. C'est pas la laquelle. vitesse de nos motos. J'ai hésité à le dire, ah. mais, euh, mais ouais, ouais, exactement. Et sinon, deuxième effet qui est aussi très cool, parce qu'on joue quand même du bleu, hein, pas, pas déconner. Contrecarrer un sort non créature ciblée, à moins que son contrôleur ne paye 3. Donc quand votre adversaire vous joue des contres, vous joue des anti et tout, vous dites ben non. Et ça marche aussi avec les plaines au Il vous joue en plaines au vous dites ben en fait c'est chiant, une j'ai pas envie. Non. Donc je dis non à ton plaines au Vous jouez contre le mono noir qui fait du sang sur la neige, non. Voilà, c'est je n'en veux pas de ton sang sur la neige. Qui marche très bien d'ailleurs je pense ce deck contre euh, mono ouais. parce qu'un vocateur de cyclone qui renvoie les tokens de lol qui renvoie tous les kimchi qu'il a ouais, euh, et vous avez une 7-7 ça, ça fait pas plaisir petite carte si jamais vous l'avez que moi je rajouterais personnellement c'est un coma euh, qu'on peut montrer bien sûr on vous la fait pas crafter même si c'est une bonne carte euh, mais ça ça permet de finir la game très très vite si l'adversaire ne peut pas euh, le gérer ouais, faut enlever euh, coma ouais, ouais. Euh, si l'adversaire ne peut pas le gérer instantanément, ça va vous faire gagner la partie très vite. Et c'est une carte très puissante. Euh, vous n'avez pas besoin d'en jouer 4. Justement, c'est légendaire, donc n'en je ne veux pas 4, mais un ou deux, ça mange pas de pain. Euh, Peut-être qu'on peut enlever euh, voilà, les nombreux switch. voyages qui euh, facilement. Très facilement. Ou alors, si vous n'avez pas envie de crafter deux invocateurs et que vous avez des kumas, euh, des comas, pardon, vous pouvez switch. Euh, mais voilà, invocateur, c'est très important parce que ça permet de reprendre le board. Alors que coma, quand ça arrive en jeu... Même si c'est puissant, si l'adversaire a, a 10 créatures, s il a trop, c'est trop lent. Ouais. Alors qu'invocateur, ça reprend instantanément. Ce deck est très simple à jouer. Donc euh, vraiment, vous mettez des landes et vous mettez des ports et vous attaquez l'adversaire. C'est euh, assez simple. Les seuls petits tricks, c'est avec coup d'ennemi décisif, savoir si vous devez le garder pour contre ou anti-bet. C'est vraiment le seul trick et c'est pas très compliqué. Point euh, négatif du deck, c'est qu'il ne s'améliore pas vraiment à part la mana base, non. comme euh, tous les decks, en deck euh, non-budget. Et que les invocateurs de Cyclone. C'est joué par-ci par-là en side, mais vraiment. Pas en x4. Pas en x4. Donc on, là, pour le coup, même si on essaye de pas le faire. Pas la meilleure rare qu'on va vous demander de. Euh, pour le coup, vous craftez vraiment une carte que vous n'allez jouer nulle part ailleurs. Voilà. Comme l'émission. Mais cela dit, tu vois, plus on l'a présenté là, et je suis d'accord avec toi au final, plus il est trop bien ce deck, je pense. C'est vraiment trop cool. Genre, pour commencer à jouer tu à Magic. Tu te sur régales, c'est simple. Et tu ne vas pas perdre des games ah à non. cause de toi. En tout cas, très peu. Mm. Alors que, genre, Mono Noir, IZ Dragon vous allez vraiment perdre des games à cause de vous parce, parce que, que vous, vous, allez euh, pas vous avez un niveau bien, de jeu ouais, ouais. Euh, qui est euh, insuffisant par rapport à la complexité du deck, au choix que vous propose le deck euh, là vraiment euh, c'est vraiment avec, assez simple avec la capacité de transfert le deck a vraiment une très belle courbe. et mm. ouais je, je vois assez bien comment tu peux vraiment démolir le ladder assez ouais. facilement quand tu commences avec un deck comme ça Genre, vous, non, vous êtes deux collègues, vous êtes débutants il y en a un qui joue ça et l'autre qui joue n'importe quel autre deck euh, il y en a un qui démoule un cake et <laughs> c'est pas celui qui joue ça vous <laughs> Vraiment Claire, très, très, cool. ouais, très intéressant ce deck-là. Par contre, euh, vous allez tout le temps faire la même chose, c'est-à-dire mettre des lands, mettre des ports. Donc vous allez être euh, plus vite euh, -être lassé. lassé de ce deck, alors qu'un deck comme euh, Izen Dragon, euh, Dimir Tempo notamment, ça vous propose tellement de plays, de, de trucs différents que ouais. les parties se ressemblent peu. Euh, c est, c est, notamment d'immersion ça s'améliore bien aussi donc du coup tu as la sensation de voir ton deck évoluer ce qui sera un mm. peu moins le cas avec euh, ce 6 microns de budget mais du coup c'est intéressant parce que du coup on a proposé plein d'axes on a proposé ben, des decks plus, euh, difficiles à manier mais qui eux vont être euh, facilement améliorables vers un deck très compétitif, des decks très simples à, ma à manier mais moins améliorables, des decks typiquement de, de metacall, c'est-à-dire que tu en début de ladder, tu veux juste rosser les mecs qui jouent mono red, mm. tu veux rosser les Aura. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, j'espère que ça vous a plu. On essaye toujours de vous faire la meilleure vidéo budget possible, de vous proposer les meilleures listes possibles mm. N'hésitez pas à partager vos retours d'expertise, d'expérience euh, avec ces decks là dans les commentaires ou venir nous le dire sur Twitch. Nous on est toujours très heureux euh, bah, de voir que nos deck list budget euh, vous sont mm. utiles. Et puis, et puis voilà, on se donne rendez-vous dans 3 mois pour la même vidéo. Exactement. Euh, bah, je ne sais pas quand sort New Capena. on oh, se donne dans 3 trois mois. Trois mois tout cas, Donc euh, voilà, petite update. Si vous regardez cette vidéo euh, et que ça fait un moment qu'elle est sortie, regardez sur notre chaîne s'il n'y a pas une nouvelle vidéo deck budget qui est sortie entre temps. Euh, parce que du coup, il faut toujours regarder la dernière en date. Euh, mais bah, à moins que New Capena, euh, la, la prochaine extension, soit vraiment incroyable, oui, la va. plupart de ça ces dégâts, peu importe le moment où vous allez les crafter, seront bons. Dans le doute, vous pouvez mettre un commentaire sous la vidéo, euh, on le verra certainement et on y répondra. Ou alors vous venez nous voir sur Twitch, lien dans la description, et vous nous posez la question euh, directement, ah, euh, je viens de commencer, est-ce que je peux crafter encore les decks budget ou est-ce qu'il faut attendre et, euh, et il y a pas mal de parlera. gens qui font cette démarche-là, et c'est très bien parce qu'on vous répond euh, et on vous oriente vers tel ou tel deck budget plus précisément selon, euh, selon le personnage que vous êtes, selon euh, sur le joueur que vous êtes. C'est le deck enfin... qui choisit son sorcier, Harry. Exactement. S'il n'y a pas une aura euh, lumineuse qui apparaît quand vous craftez, c'est que c'était pas, pas le pas bon. bon. Voilà. Pas et bon. si vous craftez les 6 et qu'il n'y a aucune aura, il ah, y a un autre problème. C'est le jeu. Yeah, c'est le, le jeu qui choisit son <laughs> sorcier. Exactement. Fin de la vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Ça fait plaisir. Merci à tous de l'avoir regardé. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce format. Du coup, on propose plusieurs déclisses, même s'il y en a des moins intéressantes, etc. Euh, ça nous intéresse, mais je pense que ça vous a régalé. Euh... Mais je trouve quand même toutes bien. Hein. Ouais, je trouve toutes bien, mais. Bien. Voilà, on n'irait pas vous présenter des daubes infâmes. Non, voilà. c'est clair. Euh, Dites-vous que tout ce qu'on vous présente, euh, c'est un intérêt, un intérêt et, on, et on y croit. Et si jamais ça ne marche pas, bah, des fois, c'est pas de bol, ça arrive hein, quand on pose un deck budget, certains qui marchent moins bien que d'autres. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est pas uniquement ça le deck. Marche. Des fois, des fois c'est, des fois c'est le ladder le problème, des fois c'est le niveau de jeu le problème, des fois c'est la compréhension du deck. Hein. Quelqu'un me disait justement euh, en stream, mon noir, je l'ai crafté mais j'arrive pas. Je lui ai expliqué comment le deck fonctionnait plus en détail. Il est revenu, il m'a dit, ok, bah, j'ai okay. gagné instantanément. Je... C'est exactement ce que tu disais. Typiquement, euh, mm. deux joueurs débutent totalement Magic. Il y en a un qui joue Dragon Budget, il y en a un qui joue Simic Ramp. Je suis persuadé que c'est celui qui joue Simic Ramp qui va gagner la plupart des games, mm. alors qu'en fait Dragon Budget est beaucoup plus fort. Ouais. Tu vois exactement. Donc il y a aussi votre niveau de jeu. C'est normal au début de pas. Éclater tout le monde. Voilà. Euh, il y a un petit peu de. Euh, il y a des gens qui jouent depuis plus longtemps et forcément, il n'y a pas que le deck, il y a aussi le pilote. Donc voilà, prenez le temps de, de vous faire la main et, de, et ça ne fait pas de mal de perdre quelques parties quand même. sur. Magic. Exactement. Évitez de tilter, même si je sais que c'est facile sur Arena. Euh, mais euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, bien sûr. Donc c'est en ressent qu'on devient rosseur. Oh. Rosseur. Ouais. De, euh, Les réseaux sociaux en description Twitter, Facebook, Discord avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de, de la belle, belle magie. magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.